Bonne année. Ça là est bien. Ça là est bien. Voilà. Ouais. Parfait. Allez. Bon bah. Salut. Salut tout le monde. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on vous souhaite une bonne année, une très bonne année de plein de bonnes choses, de bonne santé, d'amour et d'eau fraîche, d'argent. D'argent ? D'argent. Pas besoin. Pas besoin ? Bon. Ouais si, un peu quand même. Donc l'argent utilisé intelligemment. Voilà, on vous souhaite les meilleurs voeux pour cette année 2020. Et aujourd'hui, bon, cette vidéo c'est la 200e vidéo de la chaîne. 2020, donc, la première de l'année. Première de l'année, que des deux. Que des deux. Voilà, que des deux. Et ça promet une nouvelle une bonne vidéo à deux. En plus. Waouh. Mais quoi? Bah ouais. Et puis voilà, donc, on vous souhaite le meilleur, d'avoir une bonne santé, d'avoir les choses qui font on peut vivre bien, heureux. Et donc, on vous souhaite sincèrement de bonnes choses. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire en plus pour cette vidéo? Ben, que hier soir, on s'est rendu compte que finalement, on était cernés par les imbéciles. Ouais. Un brouhaha phénoménal. Phénoménal. Et en plus, qu'à filmer, bon. Ouais, j'ai filmé, ouais. On intégrera, je pense, la vidéo dans... Voilà. Donc, vous savez, il y a un nouvel an calme. De vieux. Cool. De ouais, vieux. Presque. Voilà. Bon. De toute façon, on voulait s'éloigner de la ville des pétards et tout à cause des chiens. Parce voilà. On en a un des deux, c'est une flipette. Donc, on s'est posé à la semi-bad. On s'est dit, on va faire un truc peinard. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait et on a plutôt réussi. Ouais, c'était très peinard en fait. C'était un peu trop peinard presque. Ouais, minuit, on avait presque envie de se coucher à minuit et demi. Ouais. Mais c'est pas plus mal aussi parce que finalement, c'était quoi l'article qu'on avait vu avec les extraterrestres là? Ah oui, c'est. Qu'est-ce qu'ils fêtent? Ah, c'est parce que leur planète a fait le tour de leur étoile. Donc. Juste pour dire un mot, c'est bien de fêter, ouais, mais après, bon, les pétards, bon, c'est pas forcément... totalement inutile. Voilà. En plus, le pire, c'est que les gens, ils se plaignent de ne pas avoir assez d'argent et... Bah, l'argent... Ils dépensent des sous pour le... Pour faire partir l'argent... Littéralement en fumée. En fumée, ouais. Donc, voilà, c'est pas trop... Hop. Là aussi, il est passé les 10 000 vues. On est à 10 260 vues. Au moment où on tourne. Au moment où on tourne. Bon, c'est génial. J'espère qu'on atteindra les 30 000 vues d'ici la fin de cette année. Et pourquoi pas avoir 1000 abonnés, ça serait génial. Il y a encore beaucoup de travail sur les vidéos. Sur les vidéos. Sur ce qu'on veut faire. Il y a aussi le fameux truc qu'on vous... On dira rien de plus. On dira rien de plus, ouais. On dira rien de plus. Mais Projet secret. Projet X, voilà. Ça fait pas très original, parce qu'il y en a plein qui... Mais en tout cas, c'est un projet, c'est... Moi, personnellement, c'est le prochain projet objectif. A. Projet autonome. Projet A. Ouais, mais là... Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Allez, on... Ouais, projet A. Projet A. Et moi, personnellement, c'est mon prochain objectif. Et donc, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir mettre en liaison avec la chaîne, en fait. Donc, ça va être ouais. Ça va être encore bien puissant et ça va faire encore... Joindre les paroles à l'acte. Voilà. C'est beau, ça. C'est ça.
Ben, il est philosophe à ce moment. Hein. Ah, ça c'est parce que j'ai bien dormi. Oui, enfin, il y en a un qui a bien dormi, moi non. Ben, forcément, il y en a un qui ronfle. C'est pas forcément celui qu'on croit. Et ouais, c'est vrai. Donc, projet A, on va pouvoir mettre en rapport avec la chaîne aussi. C'est pas que pour ça, mais disons que ça peut augmenter la visibilité de la chaîne. Carrément. Ouais, aussi. Ouais. En mettant les paroles à l'âtre, comme tu viens de le dire, ça peut effectivement donner en plus de crédibilité au final à la chaîne. Et à ce qu'on fait. Et à ce qu'on fait et à ce qu'on veut faire. Et du coup, on verra comment ça se passe. Parce que ça, c'est le gros projet de cette année au final. Ouais. Hein, moi personnellement au niveau musique, on peut dire niveau musique 2019, pour moi ça a été assez une bien. Une bonne année après 15 ans d'essai. Heroes reste là. Après 15 ans d'essai, comme quoi faut jamais désespérer. Et le secret d'une réussite, c'est de jamais abandonner au final. Alors bien sûr, hein, c'est ça, comme la chaîne, il y a des moments doux, affreux. Les moments où on se dit ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de la merde. Des fois ça arrive. Mais le plus important c'est de pas se laisser prendre au piège par ces doutes. Parce qu'au final, ça peut vous faire complètement arrêter, mais ça peut aussi vous faire complètement continuer. Et bon, du coup. Que ce soit pour la chaîne, pour la musique, des moments de doute affreux, mais qui au final sont bons aussi. Et donc, objectif pour 2020, projet A. Et j'y arrive au courant, je pense qu'on fera une série de vidéos qui annoncera un truc. Il y aura le changement de. Enfin voilà. Du boulot, ouais. Il y aura du boulot. Et puis comme dit, hein, cette année, on se fera aussi la partie défense. La partie simulation de survie, simulation de combat, comme on fait un peu de airsoft, on pourra essayer de simuler avec les équipes droite à gauche, je vais y aller avec Comasos, sans problème. Hein. Pour qu'on puisse faire ça. Alors, j'avais pensé faire ça à la semi-vague, mais après voilà, niveau parking, on est short. On n'a pas besoin d'être à 15 000, mais ce serait juste pour vous montrer le 3 points importants à penser pour... 2 secondes. Pilou, sors du compost. Dépêche. Il y en a un qui adore aller dans le compost, enfin les deux d'ailleurs. Donc voilà. On fera... Petite interlude. On fera un petit peu de simulation combat, simulation survie. On va jouer aussi sur les plans d'évacuation, sur les stratégies, sur les trois petites choses toutes bêtes des fois qu'on pense pas, mais qui sont importantes, mine de rien. Donc voilà, j'en ai fait une vidéo là, je vais mettre en ligne dans les prochains jours. Et puis je pense que les vidéos vont ressortir. Je pense que là j'ai pas mal de pauses, donc je pense qu'on va relancer la machine. On va relancer la machine, on va. On va redynamiser un peu tout ça. Ouais. Et puis... Je ferai aussi une modification sur la description aussi, en général de la chaîne. Mieux. La description et puis peut-être rajouter les différents liens, les trucs dans les descriptions des vidéos. On va travailler là-dessus. Il y a aussi internet, là ça fait un moment que j'ai pas touché. Ouais. Disons qu'après... la page Facebook qui... La page Facebook. Il y a 15 abonnés. Ouais, c'est... Pour l'instant. Mais la page, elle est bien. La page est pas mal, ouais. Il y a plein d'infos. Il y a des vidéos en plus qu'on poste pas sur la chaîne. Des interviews de politique, de Yvan Le Bolloc. Il y en a une de Yvan Le Bolloc. Il y en aura d'autres aussi. Comment il s'appelle Yves Cochet, ouais. Qui d'ailleurs, je lis son bouquin. Hein. Ouais, qui est très intéressant. Il est très technique. Alors, on connaît tous plus ou moins Pablo Servigne, qui donne une impression de bisounours gaucho, truc. Mais en fait, c'est exactement la même,
la même analyse et les mêmes bases que Yves Cochet. Sauf qu'il les vulgarise en fait, parce que le bouquin d'Yves Cochet, il est... faut être accroché pour le lire. Ouais, faut avoir des notions de politique, faut avoir des notions d'économie, faut avoir des trucs. Et Pablo Servigne, en fait, il fait que reprendre ça et il le digère et il le vulgarise en fait. Donc moi je fais vous Cora, on fera aussi, je pense on mettra aussi dessus les vieilles vidéos, il y a les vues sur certaines vidéos où il n'y a pas beaucoup de vues. Hein. Et mine de rien, c'est vrai que ça peut faire un peu, comment dire, demander que les vidéos soient vues, mais en même temps c'est le but du truc. Hein. Ouais. Donc voilà. On fera aussi pas mal de... j'avais dit ça dans Vlog aussi, j'aimerais mais c'est pas grave. On fera aussi beaucoup d'études de plantes médicinales et comestibles. C'est un truc, il faut pas se planter. Bon, jeu de mots. Jeu de mots. Oui, il faut mais, pas se planter, mais... parce que c'est un truc, on peut pas... Il y en a pas beaucoup qui sont mortels, mais il faut les connaître. Quoi. Ouais, mais comme dit, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Oh là là, bon ben... On va repartir. J'y vais. On va repartir à la recherche des chiens. Donc ça sera un assez comment dire, assez assez complexe à faire. Hein. On va faire des conneries, on va dire de mauvaises choses. Et on se documentera d'une bonne manière pour que ça soit présentable et bien fait. Qu'est-ce que j'aurais un mot à dire par rapport à la chaîne avant. Je vais chercher un compliment, mais. C'est quand même qu'il y avait des choses à redire ou à refaire sur la chaîne. Ouais, comme dit, les descriptions, les trucs. Après, on a... maintenant, on est deux à s'investir dans les vidéos. Donc, voilà, au début. Je filme les trucs que je fais, ce que je faisais pas forcément au départ. Voilà, au début, moi, c'était plus. Plus vidéo, et moi, j'étais plus. Bricolage. Bon, voilà. Et on dit, voilà, Luc sera. Sera beaucoup présent sur la chaîne, ça dynamise aussi les vidéos, les chiens aussi ça dynamise, hein, mine de rien. Ouais, on a vu ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que les prochaines vidéos vont mieux marcher. Alors si je fais du plus catholique dans certaines vidéos, ne vous étonnez pas, je vais vous faire exprès, au final, parce qu'une vidéo sur la vidéo sur l'avènement du chaos pour 2020. Ça fait 260 vues en même pas une semaine, je veux dire, c'est bête. Après, c'est du plus catholique, mais dans la vidéo, il y a un certain débat correct, mais pas juste faire un titre plus catholique juste pour faire des vues. Après, c'est pas le but. Le but est de partager ma réflexion, ma façon de voir les choses. En plus, on n'a pas forcément les mêmes idées, on veut aller vers la même direction, mais Luc et moi, nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout. Donc, il peut amener un débat, il peut créer un échange. Et j'avais eu les commentaires en me demandant si j'avais Instagram, machin. Maintenant, je n'ai pas ces réseaux-là. Mais n'hésitez pas à écrire sur un commentaire, ou n'hésitez pas à vous abonner sur le site internet. Ou sur bon. Facebook. Ou sur Facebook. Sur YouTube, etc. Donc, voilà, après, voilà, moi, les réseaux sociaux, ben. C'est moi qui gère le réseau social. Voilà, donc moi j'ai pas. Voilà, je veux dire, je me suis enlevé pour une bonne raison. Et, enfin, c'est sûr, d'avoir Facebook ou Instagram, quand on a une chaîne, c'est peut-être un peu mieux, mais voilà, oui, il s'en occupe, et puis c'est plus ou moins un jour, hein, quand il me veut. vidéo un petit peu différent, un peu. Longue. Un peu bordélique. À l'arrache. Ou, à l'arrache, mais... C'est pas mal à l'arrache. Bon, sur certaines vidéos, ils seront comme ça, en fait. Il y en aura quelques-unes. Il y en aura quelques-unes, de toute façon. Et puis... pas trop le choix. Et il commence à neiger, là. À neiger? Ouais. Je vais voir des fois, on neige. Non, c'est le brouillard givrant. Donc voilà, mes amis. En espérant que vous avez passé un bon réveillon. Enfin, un bon... Une bonne transition de 2019-2020. Voilà. Vous avez peut-être la gueule de bois, je suppose. Hein. Ou pas. Ou pas, comme nous. Moi, c'est la première année depuis. L'âge légal de picoler. C'est la première année où je fais un nouvel an où.
Neuf, Cap Un nouvel an aussi, bon. Un nouvel an aussi, bon. Mais c'est bien aussi de se réveiller, ne pas avoir la gueule de bois, ne pas avoir les cheveux qui poussent à l'intérieur. La preuve, on fait des vidéos le matin de bonne heure. Voilà. Et enfin, de bonne heure, il est 9h, enfin 10h. Ouais, 11h. 10h. 10h. Mais non, voilà. Non, je m'en fous. Donc voilà, en espérant que vous avez passé un bon nouvel an, vous êtes amusé. Profitez, comme dit, c'est encore possible de s'amuser. On ne sait pas trop comment ça va se passer cette année. Non, mais... Donc, on va voilà. On va faire un truc bien. Voilà, donc, en espérant, tout va bien. Et puis, moi, je vous dis, décuvez bien, profitez de cette journée au chaud. Ouais, d'ailleurs, on va s'y remettre. Nous. Ouais, ouais, voilà. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, un peu spécial. Différent. Peut-être je ferai un petit remontage derrière, on verra. Ouais, couper les moments où on... Voilà. Un plus. Voilà. Bon, voilà. Mais en tout cas, j'espère que la chaîne vous plaît, que les vidéos vous plaisent, et puis vous passez un bon moment sur ces vidéos-là. Et puis voilà, et puis je pense qu'on va amener sur ça. Hein. Ouais. Et puis je vous rappelle que dans la vie, il n'y a jamais de problème, il y a des solutions. Et puis moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao les amis.